Mais situation peuple haïtien à vivre en République dominicaine. Bonjour, bonsoir internet. On suit. C'est ça. Je vois dans l'air. Et Guadine est arrivé. Il a pris nous, mais c'est après nous, pas bénéficier, il a pris nous. Il s'est vidé dans les sangs. Oye, por la escalera, dile por la escalera, dile que por la ventana, por la ventana, por la ventana que bajen. Cuidado. Más partido de ese, mira partido. Mira partido de ese, ya pone pie, pone pie. Ya di. Pensa que vengo de. Ay, coño. Pero haciendo la garra. El diablo, coño. Curry, curry. Es mentira. Aquí nos van a amarrar a todos nosotros ahora. Mira, este no se quiso hoy, no se quiso embalar. Ya, pero se mata también, loco. Así te mata y ya, ¿quién que? No, a mí me puede matar, me puede tirar tiro, pero parado ahí. Ya, se acabó la fiesta, ya, ahí estaban atrás de ellos que estaban, era. Pero agarraron a los otros, fue, agarraron a los otros dos. Sí, agarraron dos. Tres, porque eran cinco que habían ahí. Sí. Jean Sotgade à la, c'est la vie. Plusieurs jeunes garçons haïtiens qui quittaient la caille pour sac pas bon. Pour la misère qui a triomphé dans l'assiette, yo. Dans la vie, grenouche pas suspendre, fait la yalou, c'est comme quoi c'est un bon grain de poids. Haïtien sa yo, pas de le choix, c'était décidé, laisser pays ça, pour aller cacher, ou aller bousquer la vie, chez mon chez voisin. Malheureusement, depuis après, yon paquet de temps, en République Dominicaine, c'est un espace, plusieurs Haïtiens, des milliers Haïtiens, c'est là qu'ils cherchaient Prince Souffle. Nous remontons en 1915, si nous avons dit comme ça, c'est tout de suite après l'occupation américaine de l'île d'Hispaniola, en 1915, mesdames, messieurs, avec débarquement des troupes qui sortent aux États-Unis, et des pays ça a opté sur lui. Évolution stratégique de leur économie voulue par l'occupation nord-américaine pour les États-Unis. Mesdames, messieurs, il s'agit d'organiser la production intensive de la canne à sucre. Depuis quelque temps, depuis tant ça yo, moun te toujours pour quitter le pays d'Haïti pour aller à le chercher boum, petit moyen pour avancer en République dominicaine. Investissement américain te soulevé 70 millions de dollars par la République dominicaine. Et mesdames, messieurs, elle me parlait nous de 70 millions de dollars pour la République dominicaine et à moins de 9 millions de dollars seulement pour Haïti. La question de production à cette époque, les États-Unis d'Amérique étaient estimés, mesdames, messieurs, meilleur côté pour investir plus, c'est en République dominicaine. 12 chiffres qui ont montré nos différences là. 70 millions de dollars pour la République dominicaine et 9 millions, mesdames, messieurs, pour la République d'Haïti. En fait, dans la période ça, plusieurs nombreux travailleurs haïtiens étaient arrivés, ouais, ils ont moyen pour être capable d'avancer, c'est aller à l'installer en République dominicaine. Question de migration, organisée par des États. Eh bien, État, ça y est, c'était yon moyen pour yote wè ki sak te ka fèt. Mesdames, messieurs, c'était yote baptisé son nom comme ça, c'est traité de verte. Bah, c'est moun ki fè histoire pour le comprendre ça. À travers émission ça, m'a fait remonter de ça que la cause depuis qu'il est
n'a pas couru à l'an pays voisin depuis qu'il est traitement ça yo pas jamais suspend rêver sous nous. C'est drôle, c'est triste. Bonjour, bonsoir internet, nous c'est Neg Information chay par contre là Actu Production. Si vous pouvez faire ça, courir faire, courir abonner. Si vous pouvez faire, mesdames, messieurs, c'est une meilleure façon pour capable de rester bien informé. Mais dames la société, nous venons de voir une vidéo côté plusieurs Haïtiens, en quelque sorte, qui a travaillé dans un chantier en République Dominicaine. Et mesdames, messieurs, ça vient terrible pour Haïtiens. Yo, puisque depuis quelque temps, quel que soit côté immigration derrière. Le cas pour jeune garçon ça yo a gardé là qui t'a travaillé dans un chantier, malheureusement malgré nèg yo a travail. Yo pas jamais suspendre pour humiliation. Mesdames, messieurs, la République Dominicaine entrée dans une logique ça fait quelque temps pour capable mettez pays d'Haïti dos à dos. J'en bagay la mélange ya, son bagay qui différent. Plus de 500 000 Haïtiens laissent pays yo pour aller en République Dominicaine. C'est sûr que c'est un bagay qui difficile par rapport à misère qui gagne en Haïti. En pile moun kouri laisse pour aller, mesdames, messieurs. En pile moun kouri laisse Haïti pour aller prendre souffle dans pays voisin. Même pral essayer de un bagay qui peut-être ka fan pile moun plaisir comme ça le ka fan pile moun déranger. Au fait, mesdames, messieurs, moun yo pa jam suspend pas ces misère. M'vle di nou ça parce que les sans vergo et les sans koutia que nous gagnons dans pays d'Haïti. On t'a posé tête mon question est-ce qu'il n'y a pas jamais senti au mal à l'aise. Moi-même en tant que mon ou bien en tant que jeune cadre qui font études en diplomatie on va essayer battre pour me faire bagarre là avec équité. Même j'ai pile là nous des problèmes à faire sous position par rapport avec les États-Unis d'Amérique. Quand on bon matin au télévé au téléjour non paquet de monde en bas pont Texas et malheureusement là en bas pont Texas qui ça vous dit yo te souhaité que les États-Unis d'Amérique juste ou bien les autorités américaines te juste vini près yo et puis ba yo mesdames messieurs yon soutenu yo ba yo chaque là prend yo façon que recevoir n'importe l'autre monde. Bon, c'est pas ça. Ou peut-être qu'il y a une relation diplomatique sur un point avec un pays. Et surtout, le partager frontière avec lui. Il connaît une certaine autorité, ou bien une immunité, bon, dis-moi ça plutôt, ou bien une légitimité pour passer ou capable, une facilité de plus que l'autre pays qui a besoin de sortir soit par voie maritime ou bien qui a passé, qui a fini par avion. Mesdames, messieurs, je ne suis pas contre la manière dont les autorités dominicaines bah contre yo par rapport à Jean Yoy. C'est sûr que yo pas supposé traiter nous tant que bête Jean a faire. Yo pas supposé chasser nous tant que animaux. Yo pas supposé mettre dehors dans l'état ça comme un pays que nous-mêmes en soi c'est soin nous, c'est force nous, c'est vision nous qui mettez au libre. Malheureusement, on pas supposé faire ça. On pas supposé tout bloquer nous, pas oublier scandale qui sont là dans question visa. Un petit visa pour payer 40 dollars américain ou un petit bagaille. Il faut payer le bien cher. Écoutez bien, mesdames, messieurs. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Effectivement, on va doit être nous renouveler, on va doit chasser nous pendant notre travail. Et ceci, dans la question immigration,
la question de l'immigration, ou bien le monde là, des migrants, au fait, tout le monde a droit pour être capable pour un pays recevoir, mesdames, messieurs, en cas de difficulté. Règlement des immigrants dans le monde ou bien immigration. D'ailleurs, ça m'a expliqué là, c'est en fonction d'expertise que je suis de travail en Haïti en époque dans ONM qui c'est Office National de la Migration. Mesdames, messieurs, tout le monde a droit pour émerger en côté en fonction de problèmes gagnés. Ou bien, il y a fui la caillou pour n'importe gros problème ou un problème majeur. Maintenant, recevoir mon yo, mesdames, messieurs, gon moyen de faire. Babral dit, la République Dominicaine est totalement bête. Mais mesdames, messieurs, m'a dit non, avec. Y'a pas supposé recevoir nous comme ça, mais m'a dit nous ça. Même m'a pris encouragement à des bras pour me dire nous ça. M'sais, j'aime dans la République Dominicaine en époque, et puis m'de rentré dans une communauté qui était remplie d'haïtiens. Ok? Et puis il est moins arrivé. Moi raconte un paquet de monde qui dit ça ici. Mais logiquement, l'on paraît vrai, avec on c'était une association dominicaine et puis il a parlé puis m'a dit oh, qui ça passé, qui problème qui fait que nous pas voulez ouais ici on ça, qui ça ici fait nous. Est-ce que c'est une question de couleur, c'est quoi le problème en général? Et puis n'est qui t'a dirigé troupe là? Je salue monsieur Carlos. Et puis monsieur Dim que est-ce que vous parlez haïtien? Dim si natif natal, je le serai toujours. Monsieur Dim, est-ce que vous parlez deux semaines avec nous, nous pas partager même plat, même table, même cabane, même chambre disons. Parce que dans espace que des descendants c'est on doit trois en dans chambre yo gagner plusieurs cabanes. Et puis mesdames, messieurs, je me dis, monsieur, c'est quoi le problème? Et puis je me dis, au fait, façon de comporter, certains, c'est la cause que nous traitons comme ça. Et le tout pour un exemple, il dit, prenons le cas de monsieur Sabgadla. Mesdames, messieurs, nous, c'est haïtiens. Nous comportons très mal en République Dominicaine. Mexicain qui est en République Dominicaine, il a toujours pas voulu chasser sous plusieurs points. En tout premier lieu, la CAIL n'a pas un seul de difficultés que nous gagnons. Deuxième lieu, c'est le Mexique. Troisième lieu, quand le Mexicain arrive en République Dominicaine, il n'est pas venu pour lui permettre que le pays descende. Li pa vin craser ce tissu social paysan. En pile nous pas un problème avec là, en pile nous en République Dominicaine, ça qui pas honnête que disons. OK? Nan communauté de plus haïtien yo, c'est là jeune plus bagaille sale, plus bagaille qu'a fait. Et ceci, certains haïtiens que je salue, mon paquet de gros fans moi là qui en République Dominicaine, me salue nous, monsieur que nous même nous pas dans bagaille ça, OK? So, moun ki propre quand ça ne va pas faire là, mesdames, messieurs, mettez petit parfum, faites-y habiller nous, comportez-nous en jeune, comportez-nous. République Dominicaine, nous t'es occupé, yo, nous t'es rendu heureux. C'est nous qui aidons à avancer. Mais, mesdames, messieurs, où t'es mettez sorti Tchol, où t'es mettez sorti Lascaobas, où t'es mettez sorti n'importe province là, il faut se comporter comme des haïtiens. De grandeur, de valeur. Ou on va parler de sans coutiac dans pouvoir yo da font plus pas son paquet l'année depuis nèg sa ou là c'est voler pays hein, c'est piller pays hein, c'est faire pays hein rester dans niveau que lié a, c'est nèg sa ou quoi qui permet que dans international là nous pas gain valeur, mesdames, messieurs. M'te dit nous ça t'allé a en diplomatie lorsqu'on pacte avec un pays, une première chose que supposé faire, mesdames, messieurs, ou de mettre sûr que dans relation que vous gagnez avec pays hein ou utile pays utile. On ne peut pas rester de façon comme t'as dit ça volatile ou bien comment t'as dit nous devons rester nous avons perception que nous réalisons bagaille
et puis ce n'est rien, rien d'importance, rien, et pas ça pour nous faire. Et pas si tu as la négocier voler, font pas que l'obé. Mesdames, messieurs, il faut, normalement, logiquement, mesdames, messieurs, rendre que haïtien ou gen faleur derrière. Ou est-ce que des points ça, homme, c'est clair? La République Dominicaine, au fait, c'est la République Dominicaine? Haïtien Claude Boy, ou baye tête nous valeur? L'embral dans le pays, yo cherche papier ou bien cherche passeport. Si nous rivons pas qu'à jouer un passeport, font façon avancer. Bon communauté, si notre la donne ben nous pour ça, nous avons un papier vite. Jouer une paix, jouer une mais, desservi dans l'église catholique. Y'a pas de rien. Deuxièmement, mettre sur nous, porter comme nous. Là nous prenons l'encolle madoyo, là nous marchons dans la rue, nous faisons expérience, mesdames, messieurs. Je suis sorti pour qu'on me oublie le passeport. Et puis, je suis dans une machine, ok? Et puis, je suis sorti, c'est une machine publique. Moi-même, avec un autre ami, qui sont un journaliste également. Et puis, Robinson, mon frère. Moi-même, Robinson, tellement grande pompe, mesdames, messieurs. Je suis fini, je suis campé la machine, je vérifie, mais. Je n'ai pas dit non, hein? Je n'ai pas quoi que nous pas même monde. Au fait, mesdames, messieurs, ma tête nous valait. L'État a mal négocié pour nous, nous-mêmes, faut que nous bien négocions. L'insécurité dans le pays d'Haïti, vous voulez faire nous admettre comme fait divers. L'insécurité a toujours été une information que la société a voulu contrecarrer. De nos jours, nous avons bandits à utiliser au sein de l'autre forme de agir en dedans de la société. Mais heureusement, nous tendons appel commandant en chef de la police. L'on note qui sorti, il fait appel à la population à un soulèvement populaire. Nous dit Monsieur LB, bravo, nous tendons. Mais nous voulons comprendre nous tout. Parce que nous payons taxes nous pour nous joindre sécurité, pour nous joindre accompagnement. Parce que le moment est grave. Il est grave en pile. Jodi a, bandi a utilisé une stratégie. Vous descendez dans la rue, vous demandez de toucher, ça a été droit de passage. Vous passez à la machine, vous faites un corps. Vous pas DGI, vous pas finance, mais vous collectez l'argent malgré vous payer taxes pour la machine. Mais bon constat que nous faisons depuis deux ou trois semaines qui a développé en dehors pays. Nous battons bravo pour ça, diaspora. Parce que chef bandit, parrain gang, devine indésirable devant les yeux diaspora qui n'a pas qu'à rentrer dans le pays. Commandant LB, même je parle avec vous. Diaspora parle avec vous. Il dit que tu as aimé rentrer dans le pays. Il vient jouer de ses vacances. Il n'est pas capable encore. Nous sommes des diasporas. Bon, ici, nous sommes d'autres. Nous parlons. Mais tu es prêt. Oui. Soulèvement populaire, ce n'est pas vous qui a forcé nous faire. Au contraire, c'est bandits qui dit nous c'est ça que nous devons faire pour nous faire la paix avec vous. Nous sommes en dos accompagnés. Parine, pas qu'à performer en quel côté. Mais parine, t'es oublié. Vous pouvez qui dit ou bike oublié. Pour te marquer songer. Même bâton qui te bat chez noir, il bat chez blanc tout. Parce que rappelez-nous, les parines qui sont sous pouvoir, ils t'ont acheté un carnaval pour lui seulement. Pour te le choisir, mettez mon dehors. Mais je veux dire, ça qui est grave, c'est que les fins
acheter tout costume ni pour la performer et puis ou était pour promoteur apparaît il dit mon dernier problème oui ou pas qu'à performer à peine une heure deux avant pour parler mon podium. Déception ça a été pire âgé. Donc diaspora commandé elle par la voix moi entendez tout nous tous nous entendez donc parrain faut yo arriver qu'on est pour qui ça y a rendu indésirable pour ça premièrement un arrogance parrain qui clamait tête comme chef bandit et bandit dénoncé journée jodi là pour tout le monde vinn rend ou ancien président pas besoin citer mon personne de pour moi qui est pas parler de qui est pas parler un ancien président l'on situation difficile pour ça un ancien président là le fin fait mandat faut son lumière porte lumière pour taille pour société hein? Donc je dis à jeunesse là prend note son fait son planté c'est lui au récolté donc je dis à nous mêmes jeunes prends ça comme leçon pour ne pas suivre obscénité, pour ne pas suivre n'importe qui malandré qui joue les sénateurs, les députés, livre les ministres, livre les directeurs généraux jusqu'à président. À bon entendeur, salut. Le lundi 23 mai, nous saluons Pressa, qui est le président de la conférence à matin. Comme nous connaissons chaque jour, chaque semaine nous lever, nous jouons un pays, il y a des événements qui produits. Et il y a des choses que nous connaissons qui font actualité dans le pays et qui rend la société invivable. C'est question d'insécurité, gang, kidnapping, etc. dans le pays. Nous rappelons, et CNDDR, pas voir yon nan pot parole li yo te di avec nation moun ka pe pote zam an nan peyi a ka ban zam an nan peyi a gen 11 fami et jusqu'à présent nou même société citoyen ki paye tas permet tout moun ki an dan l'état a joui de privilège et nou même tout ka victime de insécurité ça jusqu'à présent par aucune autorité qui en mesure pour dire population mais qui monde cap importer zam cap importer balle vendre gang yo pour tuer monde en dans pays pour kidnapper weekend notre passé à là y a plus qu'il cas kidnapping en dans pays particulièrement grand fillette le kidnapper dans zone crissoir. Donc, nous presque nous arrivons à côté, nous par contre, ça pour nous faire avec tête nous encore. Nous par contre, à qui monde pour nous adresser nous encore, nous par contre, à qui c'est pour nous adresser nous encore, pour nous joindre une solution avec question insécurité dans le pays. Pendant ce temps, et c'est avec vous, un grand étonnement, pendant ce maintenant, et nous parlons sur les réseaux sociaux. Et puis devant, nous allons informer, et plus d'informations concernant les citoyens haïtiens. Et que l'État investit dans lui pendant 27 ans. Il nous fait salier la journée aujourd'hui. Nous voulons parler du directeur général Douanan Bel-Romel. Depuis 27 ans, l'État haïtien a investi dans Bel-Romel jusqu'à ce que lui soit directeur général de la douane. Et je suis servi avec l'argent de l'État. L'argent de taxe citoyenne. L'argent de taxe malheureux, malheureuse qui a bourriqué dans la diaspora. Non seulement il y a une corruption, il vole l'argent, même l'argent sale vole. Monsieur pour investir l'argent, n'a acheté ça. N'a acheté balles pour vendre avec gang. Les États-Unis, ils arrivent pour payer visa
belle romaine. Nous même au niveau Viva Haiti, nous vérifions et confirmer à travers de monde qui nous bien, des amis qui nous gagnent dans l'ambassade là, de confirmer le bani. Maintenant tout ça, est-ce que ça les États, ça ambassade la dit à la vérité, son vérité? Donc on a plus fois les États-Unis ils ont toujours coupé visa des citoyens haïtiens par rapport et avec opinion politique où ils n'ont pas d'accord ensemble avec lui et puis ils font marchandage avec question visa pour couper visa ou pour faire bac. C'est ça que nous même l'entendre des informations, l'entendre des informations, nous pas de prendre pour l'évangile. Mais nous cherchons moyen à fouiller la zone dans le Kalalou. Et l'entendre fouiller la zone dans le Kalalou, nous venons joindre effectivement Belle Roumel est bien et belle impliquée dans la question de vendre des armes avec gang dans le pays. Si nous rappelons que nous avons un gang 400 Barozo qui était sauvé, qui était gang dans le Saint-Domingue, il y a eu les zoos, il y a eu la tête de notre David. Monsieur a parlé avec yon dans la radio dans la capitale. Il a posé une question, le journaliste a posé une question, côté gang 400 Barozo, il y a eu des armes. Il a cité non 4 personnes. Alors il y a eu 4 références. Côté Zamio sorti. Il était cité un monde qui gagnait pompe gaz dans quoi des bouquets. Il était cité un monde qui était santo. Il était cité un autre qui était dans zone douya. Et les ont demandé qui côté Zamio sorti dans qui port. Il dit toutes Zam ça yo, puis force Zam 400 Marozo yo, yo sorti dans port Port-au-Prince et c'est directeur douane qui facilite au joindre. Mais comme son bandit, comme son gang qui a parlé, nous pas prendre ça au sérieux parce que nous connaissons gang yo souvent si y pas battre la police pour pour arrêter yo yo ka besoin accuser n'importe qui moun yo dit n'importe qui bagage sur n'importe qui moun et ça fait pas prendre déclaration zoa au sérieux mais je dis les États-Unis viennent confirmer effectivement que Belle Roumel directeur général douane li impliqué dans van sam li impliqué dans van katouche et avec qui moun li vendre c'est avec gang c'est avec bandi. Qui compte jouer comme ça, c'est comme les volets dans la corruption, dans la douane, il prend même comme ça pour l'acheter des armes, pour l'acheter des munitions, pour le vendre avec eux. Je veux dire, la société a souffert dans tout le monde. Avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question massacre qui a fait dans le quartier populaire. Zone Matissan qui va jamais garder bloqué. Parce que gang yo toujours des cop dans les mains, des armes dans les mains, il a tiré les gens, il a fait ça au vle. Je veux dire, c'est grave. Pour nous, nous avons l'État investi dans où pour servir avec l'argent l'État pour détruire la société ensemble avec. Et ça qui est grave. Les États-Unis font une décision ça ou pas senti une mobilisation contre de l'État haïtien. C'est comme si son équipe blanc pour la neige. Mais nous avons l'autre constat qu'on veut au niveau société. Et c'est ça qui est grave. Comme Belle Roumel, c'est nèg qui gagne gros comme nan men l'argent corruption nan men société a c'est comme si bagay sa ta dwe passer inaperçu. On dit non, ni pas ka passer inaperçu. Si c'est une bonne garantie, si c'est n'importe qui directeur général qui pas tab gérer l'argent leur comme ça mon cher sur so, radio réseaux sociaux t'a enflammé pour demander arrêter directeur général ça. Comme monsieur son nèg qui gen code de main qui dans corruption tout le monde peut parler des dossiers en façon pour Belle Roumel pas gen problème ensemble avec. Mais pas oublier c'est chaque jour n'a souffri en bas kidnapping. Je dis a si bon monde qui yo kidnappé sous par contre qui monde pour porter plainte sous contre qui monde pour porter plainte. Les États-Unis ouvrir porte là-bas nous pour dire nous mais qui monde mais contre qui monde pour porter plainte. Yo nan 11 familles cap importer zam en dans pays a pour tuer nous pour kidnapper nous dire les Belle Roumel. Donc ça lui même dit révolter conscience. Nous même au niveau Viva Haiti pour nous dire ça pas prendre ni nommer pouvoir ni nommer Belle Roumel. Dans quel que soit l'autre pays. Un bagage comme ça passé, premier bagage citoyen ça t'a fait c'est à démissionner. Ou elle qui était là aujourd'hui. Donc il était là pour protéger tête. Pour le prendre prétexte comme directeur général pour le pas la pour le pas rendre tête libre la justice pour la justice à poser des questions.
En attendant, nous-mêmes, nous avons Revive Haïti. Son dossier n'a pas suivi de près. Et il faut que l'État haïtien prenne responsabilité. Il faut que la justice agisse. Il faut que la police prenne responsabilité. Merci beaucoup.